Oh là là, genre, c'est dommage, nous sommes de retour pour jouer à un mauvais tour. Si, Princess Connect. Alors, pour la dernière fois, nous avons terminé, comment dire, on va dire la présentation des méchants. Et plus particulièrement, bon, des scènes, voilà, quoi, fin de service. Et d'ailleurs, si la vidéo que vous avez peut-être pas pu voir à cause peut-être d'une restriction de en moins de 18. D'ailleurs, c'est pas le cas, hein. Mais si c'est le cas, eh ben, je vais vous faire un résumé. Nous avons découvert justement que les Shadows sont contrôlés par un gros porc qui sont à l'origine aussi des robots et aussi qui ont volé le bateau d'une des guildes de la ville. Et aussi, nous avons découvert qu'il y avait une méchante qui a la sale habitude. De jouer avec un peu les règles du jeu, où à la place que Kokoro puisse se changer en version princesse, elle l'a transformée en une petite fée. Et du coup, aussi on sait que justement dans cet épisode que nous allons voir, nous allons recroiser Miami et Neneka. Voilà. C'était un long résumé parce que j'ai peur que, voilà, la vidéo se fasse restreindre. Du coup. C'était épisode 7. Et il y a beaucoup de choses. Beaucoup. Mais voilà, bon, comme je l'ai dit la dernière fois, il n'y aura plus de scène coquine. C'est fini! Et j'ai plus à boire. Je reviens tout de suite, hein. Je suis à vous. Bonjour à tous. C'est parti. J'ai soif. J'ai pas bu avant. Oh non, faut la sauver! Il y a une manticore! Ah bah là, elle est morte à coup sûr! Eh ben non! Prends bien soin de toi! J'appelle! Excalibur! Ah non, on n'est pas dans la bonne abîme. Anime. C'est un peu Arthur, hein. Tout va bien, hein? Oui. Merci. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hey, touche pas à ça. Tu risquerais de te brûler. Mais ce serait... C'est Christina! Christine! Oui, c'est elle. Et je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Bon, les aristocrates, là, c'est bon, là. Je ne veux pas vous voir. Image. Petite scène entre Miami et l'Aneko. Apparemment, ils se sont réconciliés entre-temps. Hein, parce qu'il y avait une fois où ils étaient en train de se taper. Apparemment, le malentendu s'est réglé depuis le temps. Allez. Maintenant, Neneka, Neneka, Neneka.
Vous martyrisez un gamin là! Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Non mais on est d'accord que ce gamin il est pas fait pour être, je sais pas, un vilain? Parce que, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il se fait martyriser tout le temps! L'Ambirinta, si tu veux, bon, les méchants se rallient. Et c'est parti pour la suite avec Miami! Non mais honnêtement, ce gamin, à quoi il sert? Non mais faut se le dire. Si j'étais le chef d'une organisation du mal, moi je l'aurais viré le gamin. Déjà c'est un gamin, et en plus de ça il fait pas son boulot. Avec sa crêpe. Elle est en train de se poser des questions. Parce qu'elle porte un lourd fardeau. Elle doit persévérer. Octo ? Oh non, pas la crêpe! Tout, mais pas la crêpe! Je suis choqué. Oh le petit bâtard. Est-ce qu'on t'a déjà dit qu'il faut pas faire pleurer une femme? Non mais c'est pas possible ça. Ah oui. Bon, il est en train de penser à des trucs. Est-ce que ce serait Octo? Et qu'est-ce que tu veux, toi? Rejoins-moi! Je suis méchant! Mais qu'est-ce que tu dis? Je suis le méchant! J'ai quand même envie de voir la suite. Attendez. Je suis méchant et je comprends pas ton charabia. Parce que si jamais, c'est la première fois qu'on le voit, ce gars-là. Hein. D'accord. Ok, bon, pas grand chose. Je m'attendais à mieux. Bon, là ça va être Lading. Aïe aïe aïe. Mais par contre, après ce sera pas terminé. Ça ne fait que commencer. Pour ceux qui se demandent pourquoi je bois autant. C'est parce que quand je parle, j'ai l'impression que ma gorge sèche en 2 secondes. Voilà pourquoi je bois. Ah! Pardon. J'avais oublié Lading. Au prochain épisode! Ah, on a repris le bateau. On nous espionne. Ah, c'est la guerre. Contre le mec. Le mec dragon. Est-ce qu'il serait ça pose des questions là. Ça pose des questions. On n'y porte pas très une très grande importance, on va dire. Mais par contre,
Là, les choses sérieuses vont commencer. Parce que je l'avais dit la dernière épisode que les choses commencent à être sérieuses. Mais là, c'est autre chose. Là, on est en prison déjà. Bon, les aristocrates, casse-toi. Et nous sommes à la plage. Et j'ai menti, il y a encore du fan service. Excuse-moi. Tu me gâches un peu la vue là. Est-ce que tu pourras te pousser, s'il te plaît? Au moins, est-ce que tu désires quelque chose? Voilà. Ah, et ce n'est pas fini. Bah non, c'est pas fini. Bah non, j'ai dit que ça faisait que commencer. Bah oui. J'ai pas menti. Cette fois. Je suis la reine, bonjour. Qui est-ce? Eh, c'est toi! Neneka! Tiens, 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 tiens! Qu'est-ce que c'est que ça? Hé, vous là, arrêtez-vous! Je vous demande de vous arrêter sur le champ! Je meurs. J'ai dit que je meurs. Oui, on a compris. Ah, bon, épisode 8, c'est parti. Hop, 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 hop. Épisode 8 avec le mec dragonique. Le mec draconique. Est-ce que ça se dit? Non, je crois pas. Épisode actuel. Bien vu. Bon. On passe. On passe. Y a les best girls, apparemment. Ah! Zebody? Pour une petite scène, on va dire, qui peut toucher certaines personnes. Allez, c'est parti. Retenez vos larmes. Parce que c'est parti maintenant. Je voulais te dire. En fait, héros. Il faut que je te dise que je... Je t'aime! J'ai réussi? Je l'ai dit?
Ah, désolé, c'est si soudain. J'espère que ça te perturbe pas trop. Yui. Et... Ike... En fait... J'ai hâte de continuer notre aventure ensemble. Oui. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Elle l'a fait! Sachant qu'il y a des animes où on n'attend que ça, hein. Bien évidemment, je vais pas lui dire lesquels. Vous avez une bonne idée de quoi je parle. Bon, c'est parti pour un peu de... un peu de guerre. Un peu de... taper mon épée. Et on a déjà vu le mec se battre, hein. On sait qu'il est fort. On sait qu'il est badass. Je plante mon épée. C'est le maître dragon. Venez. On va vous arrêter. Je vois. Est-ce que vous êtes d'accord d'arrêter? Oh, il est méchant! Je vais vous éliminer! D'un seul coup! Poussez-vous! Oh mais non, pas le bateau. Ah bah non. Comment on va faire pour repartir? Oh non, regardez. Oh non, ça brûle. Bidada. Il est badass quand même, le mec. Oh, il est badass, mais regardez-le. Regardez-le. Non mais honnêtement... Honnêtement, il devrait être jouable. Mais sachant que pendant Princess Connect, il n'y a que des filles, hein, qui sont jouables. Par contre, à quand... Non, j'allais dire un truc stupide, je vais pas le dire. Non, vous ne devinerez jamais ce que j'allais dire. Et puis de toute façon, ça, vous en foutez. C'est parti pour un petit combat. Comment? Est-ce que tu... Chefi! Héros! Allons-y, Kieru! Je vais tout donner!
Il est toujours... bon, il est pas debout, mais il tient encore, le mec, hein? Mais bon, il est mal au point, quand même. Ouh, il est énervé. Ouh, regardez cette fureur. Ouh là, ouh là là là. Ouh là, il est énervé. Et on va repasser à Misora. Si j'ai bien retenu son nom, c'est la méchante, avec son gros canon. Alors pourquoi est-ce que nous sommes dans un magasin de babioles? Ah, parce qu'il y a Misora. Elle s'amuse. Arrêtez là! Je vous arrête! Ah, ils sont en train de prendre un petit pique-nique, tranquille. Oh non, on peut pas manger tranquillement ici. Il y a trop de bruit! What the fuck? Bon bah bon appétit hein. Bon, ils sont en train de parler de leur vie, hein. Voilà quoi. Ah, on aurait dit qu'il a mangé une glace au chocolat. Bon, ils sont en train de prévoir leur plan. Ah, il n'y a plus de bruit. Bon, ils vont passer à l'action. Mais est-ce que c'est à partir de là où il y a un combat qu'on prépare contre eux? Je m'en rappelle plus. Mais à bout d'un moment, il y a quand même, comment dire, dans le jeu, on nous oblige à les combattre. Ces quatre-là. Bon, ces quatre-là, en soi, après, c'est deux contre deux, mais... En vrai, j'ai déjà donné tous les détails pour la saison 1. C'est un peu préparé pour la saison 2. Voilà. Oh! On passe. To be continued. Au prochain épisode! Un gros canon? Des idoles? L'école? Gros canon? Le gros port? Miami? Voilà. Bon, je vais encore me faire copyright aujourd'hui, hein. Ouais, j'ai compris. Non, mais j'ai compris que je vais me faire full copyright, hein. Alors, épisode 9. Allez, c'est parti pour reperdre mon copyright, parce que sinon, c'est pas drôle. Oui, alors on le passe quand même. Mais oui, alors je crois que c'est à partir de là où il y a les combats contre les quatre. Et même cinquième, parce qu'on se bat aussi contre le maître dragon, normalement. Si je me rappelle bien. Ah oui, il est énervé. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, bah la vie normale.
Bah là, c'est avec les idoles. Voilà, c'est tout de suite le combat entre Madame qui fait cristalliser les gens contre les idoles. Est-ce que je vous ai spoil? Bah non, vous allez le voir maintenant. Allez, c'est parti pour l'action. Oh non, je me fais cristalliser. Oh non, il attaque notre concert. Nous devons agir. Allons-y. Ouais, bah en chantant, bien sûr. Allez, je perds mon... je me fais copyright. Hein. Non mais c'est magie, c'est magique, hein. C'est voilà, la chanson sauve la vie des gens. Non mais faut pas réfléchir plus que ça. Hein. Oh non, trop de lumière, je suis ébloui. Non, en fait je deviens aveugle. Bon, elle a perdu, on a compris, au revoir, à plus. Suite. Alors, il y a l'armée qui se fait envahir. Et d'un coup, nous avons Mizora qui est en train de mitrailler. Avec son gros canon. Honnêtement... Ouais, non, je sais pas. En termes de classement, entre celle qui chante et celle avec son gros canon, je crois que c'est celle qui chante qui me plaît le plus. Entre les deux. Gros canon. Ah oui, dans une école, hein. Bonjour à tous. Ne faites aucune comparaison, s'il vous plaît. Je ne suis motif de personne. Ah, Miami. Est-ce que tu es? Je viens vous sauver. Et il y a Namirasta qui l'assiste. Ça va se fight. Et de l'autre côté... Il est encore vivant le mec, hein, il est pas mort. On le pensait mort. Pourquoi tu me parles de Christina, toi? Mais ferme-la! Tais-toi un peu! Ah, le monsieur gros porc! Allons, allons! Donne un peu plus de punch! Ah, elle sait quelque chose du mec. Jolie attaque. Et du coup, qu'est-ce qui arrive à Coco? Qu'est-ce qui arrive aux amis? Ils ont contact, on se fait attaquer. Alerte rouge. On se fait attaquer. Bon, je regarde quand même si peut-être il y a animation. J'ai un petit doute. J'ai vraiment un tout petit doute. Je regarde ça tout de suite. Non, c'était rien. Rien du tout. Alors, par contre...
Est-ce que c'est à partir de là, le combat contre les autres? Je crois que c'est à partir de là. Hein. Ouais, c'était là. Là, on a battu le mec. Voilà, on a battu le gamin. Battu la fille. Battu le gros porc. Et battu l'autre fille. Misora. Ah oui, c'est Lenfa, je crois, la chanteuse. On a réussi! Oh, que c'était épuisant! Heureusement que ça s'est terminé! Victoire! C'était fatigant. Bravo tout le monde! Bah voilà, GG à tous, hein, c'est gagné. Et là, normalement, une longue animation. Ah! J'adore les animations! Bon, bah oui, alors du coup c'était à ce moment-là qu'on a battu les quatre personnes et aussi le maître dragon. Ah oui, il nous remontre. Ouais, bon, vas-y quoi. Mais ils vont nous montrer plus. Bravo. Voilà, maintenant nouveau. Salut! Comment ça va tout le monde? Vous avez bien travaillé tout le monde! Bon, il est temps d'en finir! Il est temps de les achever! Ah non, attends! On va pas les achever! On est beaucoup trop gentils, regarde, on leur tend la main! Deviens mon ami! D'accord! Deviens mon ami. D'accord. Deviens mon ami, waifu. D'accord. Bon, le gamin, il devient notre ami de force. Ah, lâchez-moi. Misora, seul au monde. Misora. Tiens, prends ma main, deviens mon ami. D'accord. Game over. Yui. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah oui, ils étaient pas au courant qu'il y avait une dernière personne. Parce qu'ils ne l'ont encore pas vu. Bah oui, c'est pas terminé. Ça ne fait que commencer. Bah par contre, Yui, qu'est-ce qu'elle s'est pris? C'est... Oh la vache! On s'est déjà tapé Kiaru qui a tabassé Pecorin. Mais là, ouf... Là, on n'en a pas encore fini, hein! Yui! Réveille-toi! Qu'est-ce qui t'arrive? Et bien sûr, ils se sont fait tous battre à plate couture. Héros, enfuis-toi! Héros, cela fait tellement longtemps.
The Mind Fuck. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il? Ah oui, alors là, longue animation. Alors là, longue animation. Alors là, bon là, on a le temps de faire nos théories. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Bon, déjà, bien sûr, retournement de situation parce que sinon c'est pas drôle. Et en plus de ça, bah, elle est méchante, mais pourquoi est-ce qu'elle est gentille avec le héros? Est-ce que c'est... Non, non, des théories. Beaucoup trop de théories. Peut-être qu'ils vont se confirmer maintenant. Voyons voir. Si ça va bien continuer. Si ça va bien continuer. Merci. Ah oui, parce que oui, on avait perdu deux personnes. Bah les voilà. Christina. Nenek. Attendez. Non. Ils sont manipulés. Il est temps de sortir le grand jeu. Octo? Il est méchant. Je vous l'avais dit qu'il était méchant. Non, non, ils sont méchants, ne vous approchez pas. Du coup, ils se sont fait battre à plate couture, encore une fois, et ils ont capturé le héros. Et du coup, ils vont finir avec le reste. Mort. Et c'est terminé. Non. Pas encore. Bon. C'était des robots. Mais alors... C'est Monsieur Porc. C'est incroyable son pouvoir. En gros, j'ai laissé le temps à mes alliés de partir. Mais je vais encore vous tenir à l'écart d'eux. Putain, mais me crache pas à la gueule! Merci pour tes services!
Copyright. Ah, mais que dire? Bah, y'a rien à dire, quoi. C'est... Faut regarder, quoi. C'est tout. Non, mais c'est incroyable. Non, mais vraiment. Et, bah, par contre, c'est dating, là. Moi, je l'adore. Mais bon, ça veut pas dire, voilà, que je vais le laisser tranquille. Je vais le laisser tranquille. Ouais. On va dire qu'on a fini la première acte. Ah mais parce que là, là on est qu'à la moitié, ou même qu'au début. Non, allez, bon, je vais être gentil, on est à la moitié. Mais c'est incroyable. Non, mais c'est vraiment incroyable. Le scénar. Moi j'attends juste l'anime, hein. Honnêtement. Non, mais c'est incroyable. Moi j'adore. Mais du coup, oui, là ça sera la nouvelle ending. Mais du coup, on a des nouveaux méchants. Hein. Bon, on a encore Mizora qui est restée méchante. Voilà, je perds mon copyright. Enfin, je me fais copyright, voilà quoi. To be continued. Au prochain épisode! Miami contre Octo. Et du coup, bah, le héros se réveille. Et on lui tend la main. Mais en tout cas, il se fait récupérer par la renarde, par la Kitsune. Maho Maho. Maho Maho. Bon, on va s'arrêter là. Mais avant ça, bien évidemment, on regarde ce que nous avons loupé dans les images. Et oui, parce que même dans les images, nous avons du contenu. Du contenu alléchant. Je ne parle pas des... Voilà, des scènes de bain. ils sont en train de taper l'aristocrate. Parce que honnêtement, l'aristocrate, voilà, il est énervant. Par contre, il est pas méchant. Ils sont pas méchants, les aristocrates. Ils sont juste énervants. Et du coup, Miami est en train de parler avec la Neko. Je me rappelle jamais de son nom. Et du coup, bah là, ils sont en train de se taper la discute, Christina et Mizora. Et du coup, ça, on l'avait vu. Neneke qui se fait emmener par les sous-fifres de quelqu'un. Best Girl, avec l'aristocrate et Pécorine. Ah, qui... Enfin, pas l'aristocrate, pardon. La Best Girl emprunte son bateau à l'équipe de Pécorine, pour qu'ils puissent aller voir justement le maître dragon, qui est justement là, qui est badass, mais regardez-le. Oh, ça mérite, ça mérite la miniature. Ça mérite la miniature. Par contre, ça mérite pas la miniature, ça spoil, trop. Ensuite. Ah non, ça c'est classe aussi. Ça c'est classe. Je vais bouger ma caméra. Voilà, pour avoir une meilleure miniature, ah, j'admire. Je rebouge ma caméra. Voilà. Ah, c'est beau. Ensuite, on est à l'orphelinat. Ensuite, nous avons l'armée. Bon, il y a juste elle qui fait... qui change d'humeur. C'est en train de taper la discute. Ah oui, les fameux géants. On va les appeler les géants, hein, parce qu'ils sont géants. Mais par contre, ça... Mais ça, mais faut m'expliquer. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais non, c'est... Il se passe des choses. Par contre, dans le passé,
le combat contre Kaiser. Ensuite. Ensuite ça. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, est-ce que... Ouais, bah oui, ça... Ils l'ont révélé. Alors, très clairement... Bon, je vous le révèle ici, hein, mais pour ceux qui ont pas voulu regarder cette partie-là, je vous en veux pas. Mais en soi, Sheffy a un frère. Et le frère de Sheffy, bah, il est devant vous. Voilà, voilà. C'est tout à dire. C'est, voilà, voilà, c'était juste à savoir, voilà. C'est son frère, voilà. Bon, au moins, comme ça, bon, maintenant, vous le savez. Et voilà, c'est fini. Bon, un épisode très intéressant aujourd'hui, mais... Qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois? Bah, on va voir. Au prochain épisode, je vais vous dire à la prochaine et... Ciao, ciao!